Estrie Plus m'a demandé de vous présenter mon coup de cœur de cette fête des vendanges à Magog. Eh bien, le voici. Il s'agit d'une boisson de cassis, gracieuseté du domaine Eve Hill, une entreprise de l'Estrie. À la base des producteurs de cassis au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, du petit fruit, nous le transformons pour en faire un vin de type apéritif qui est assez unique en son genre puisque ce n'est pas une liqueur ni une crème de cassis, mais bien s'apparente beaucoup plus au vin par sa teneur en alcool. C'est un vin qui est justement le petit côté acidulé du fruit confère une certaine fraîcheur. Et puis Yves, mon associé, qui est le vigneron aussi, au fil des années, a atteint le parfait équilibre entre l'acidité, le sucre et le niveau d'alcool. Le domaine Eve Hill produit également un vin de mûre sauvage. Ça, c'est vraiment, c'est unique parce qu'il n'y a pas de gens, à ma connaissance, qui prennent des mûres sauvages, qui les vinifient et qui font une boisson alcoolisée avec. Moi, je me suis joint à Yves il y a 2 ans. Moi, de formation, j'ai été pendant 21 ans entraîneur de natation. Donc souvent, je me plais à dire que j'ai passé de l'eau au vin, comme un personnage célèbre, puis j'avais le goût de m'en aller dans un milieu totalement différent. Donc, le challenge, il est là. Mais c'est un beau milieu. On est dans une région merveilleuse, puisque nous, notre domaine est situé à Compton, dans la vallée de la Quaticook. Donc, j'invite les gens à venir nous voir. On annonce un automne aussi beau que notre été, donc il reste encore des belles fins de semaine en perspective.